Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres,
descendu me goodness of God. Your
C'est ça qui montre nous que nous sommes catholiques, que nous vénérons maman nous Marie et que nous respectons frères nous que nous vénérons. Dans nos derniers hommages, Jacques Frankeur. Donc nous disposons nous, même si nous pas catholiques, nous avons essayé de respecter nos mieux à principe. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange. Les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Au bon et très doux Jésus. Cœur sacré de Jésus. Cœur immaculé de Marie. Nous allons méditer, mystère douloureux, parce que je dis, hein, c'est vendredi. Et avant de méditer, mystère là, nous connaissons tous saints, tous anges prêts pour accueillir frère nous, pour le mener by papa nous qui est dans le ciel là. Parce que s'il demande pour faire service à l'église, s'il demande service religieux dans le V1, ça veut dire qu'il était un catholique authentique. Les saints et les anges en cœur glorieux chantent vos louanges au règne des cieux. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui,
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie, si vous avez une salle là, café, deuxième mystère là, il met fait pour nous, s'il vous plaît. Si nous voulons faire en anglais, nos problèmes. Okay. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que l'âme de notre frère Jacques Francoeur aille se reposer en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Ce chant, Sainte Marie, est comme un fruit d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier recours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Du notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ave Maria. Pas gain rien bon Dieu pas qu'à faire. Ave Maria. Pas gain rien bon Dieu pas qu'à faire. Ave Maria. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que l'âme de notre frère Jacques Francoeur aille se reposer en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ave Maria. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au bon et très doux Jésus. Du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, qui avons recours à vous. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, que l'âme de notre frère Jacques Francoeur aille se reposer en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, si nous pas fatigués, si nous pas malades, si nous qu'à camper, n'a pas campé pour nous faire dernière dizaine, non? Par respect pour frère, nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous devons dire ensemble, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, maman, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, maman, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, maman, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire
Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Au commencement, maintenant et toujours dans les siècles. Au bon et très doux Jésus. Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que l'âme de notre frère Jacques Francoeur aille se reposer en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le diacre n'est pas encore arrivé. Not yet. Nous connaissons frère nous, et même Jean nous-mêmes, nous avons faiblesse nous, qui fait nous pécher. Nous péchons par pensée, nous péchons par parole, nous péchons par un simple regard. Nous péchons par omission, nous oublions de faire ça nous pour nous faire, surtout dans le travail grand-mère là. Nous péchons à chaque seconde, à chaque instant. Et bon Dieu grand-mère là, dans miséricorde, li, dans bon cœur, il est toujours prêt pour le pardonner nous. Même j'ai à nous-mêmes qui encore vivants, et frère nous, qui prend devant nous, nous allons demander bon Dieu pardon pour lui. Pardon pour ne pas entrer dans tout petit train-train, dans tout petit détail, dans toute petite faiblesse, frère nous, te gagne pendant le tabu sous terre comme humain. Mais pour lui, plutôt craintif, li te gagne pour lui pendant le sous terre. Essayez de essayer de faire volonté à travers responsabilité envers parents, envers famille, envers petite li, envers madame ni peut-être, envers proche li. Donc n'a demandé bon Dieu pardon pour lui, pour l'accepter nommé. Pour maman Marie qui c'est maman la foi, qui c'est maman la grâce là, qui c'est maman qui toujours a intervenu pour nous. Pour prendre accueillir frère nous, prendre mère, menel bay Jésus petite li, qui lui-même ak menel bay papa. En tant que catholique, nous croyons ça, nous croyons la résurrection des morts, surtout monde qui t'a essayé faire volonté bon Dieu sous terre. C'est pour ça nous chant de miséricorde, nous va demander bon Dieu pardon pour frère nous. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Et nous connaissons bon Dieu là, il pardonne nous. Il pardonne frère nous déjà. C'est comme ça. Nous connaissons le bon Dieu avec nous, nous pas grand pour nous peur. Même la mort pas doit effrayer nous. Parce que nous connaissons bon Dieu bail, bon Dieu prend, c'est pour nous le bénir et louer. C'est comme ça nous va chanter Psaume 23. Ils sont méditation très fort pour nous-mêmes chrétiens qui croient que les bon Dieu là nous pas peur rien, quel que soit nos conditions, quel que soit côté lié, quel que soit même le tout près la mort et même le tout la mort prend nous. Et frère nous côté le coucher là déjà en paix, il est déjà en route vers le Père, c'est nous-mêmes qu'on a qui pour essayer arranger tout ça que pour arranger avec grand maître là. C'est nous-mêmes qui pour croire que bon Dieu c'est berger nous. Bon Dieu là pour nous, nous pas gain droit peur en rien, surtout que dans temps ça n'a vivre un temps difficile, nous pas dit ces derniers temps parce que nous pas connait qui le dernier temps, mais n'a vivre des temps difficiles. Et dans chaque difficulté, dans chaque expérience malheureuse que n'a fait en tant que chrétien, quel que soit chrétien catholique ou d'autres fois, mais diacre là. Donc nous supposons quoi que bon Dieu là avec nous et pour nous. Donc au nom de l'équipe funéraire malgré malheureusement yo tout pas là, n'a souhaité famille en toute sympathie nous. N'a dit le courage. Et en tant que chrétien, qu'on dit pas on l'a dit découragement pas chrétien. C'est pour nous gain force.
pour encadrer si gen moun li kite proche nou etc que li même li tape encadrer pour encadrer moun sa yo comme ça le n'a vénéré mémoire li n'a rendre mémoire li plus vivant que possible. Donc le diacre est là. Je vais vous laisser et je vous dis à demain. Courage encore. Good evening, bonsoir. May the God of hope give you the fullness of peace. May the Lord of life be always with you. My brothers and sisters, we believe that all the ties of friendship and affection which knit us as one throughout our lives do not unravel with death. Confident that God always remembers the good we have done and forgives our sins, let us pray asking God to gather Frankie to himself. Let us pray. Lord God, the death of our brother recalls our human condition and the brevity of our lives on earth. For those who believe in your love, death is not the end, nor does it destroy the bounds that you forge in our lives. We share that faith of your son's disciples and the hope of the children of God. Bring the light of Christ's resurrection to this time of testing and pain as we pray for our brother, Jacques Frankie, and for those who love him, to Christ our Lord. Amen. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Should I read the rest? No. Okay. We know that if our earthly dwelling, a tent, should be destroyed, we have a building from God, a dwelling not made with hands, eternal in heaven. So we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yet we are courageous, and we would rather leave the body and go home to the Lord. Therefore, we aspire to please him, whether we are at home or away. For we must all appear before the judgment seat of the Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for the acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient au monde. » Évangile de Jésus-Christ. You may be seated. My dear friend in Christ, the Gospel of John, we realize there was a dialogue between Jesus and Martha. And the key point of that dialogue, Jesus will show Martha that he's powerful, that God gave him the power, even in death, to raise the dead. So tonight, we are celebrating a new life for our brother, for our friend, Jacques Frankie, for those who know him well, Frankie, right? Jaco. So asking the Lord to welcome him in paradise.
The first reading told us our dwelling is not here, it's in heaven. And we are sure that Jacques Francoeur is with the Lord. And we'll continue to pray for the family and friends. So they will always remember our friend Jacques. And when the day comes, we all will meet with him in heaven. Amen. Let us turn to Christ Jesus with confidence and faith in the power of his cross and resurrection. After each petition, we'll say, Lord, have mercy. Raising Christ, pattern of our life forever, Lord, have mercy. Promise an image of what we shall be, Lord, have mercy. Son of God who came to destroy sin and death, Lord, have mercy. Lord Jesus, gentle shepherd, who bring rest to our souls, give peace to Jacques Francoeur forever, Lord, have mercy. Lord Jesus, you bless those who mourn and are in pain. Bless Jacques' family and friends who gathered around him today. Lord, have mercy. Dear friend in Christ, our true home is in heaven. Therefore, let us pray to our Heavenly Father as Jesus taught us. Our Father, can we stand, please? Those who are Catholic. Our Father who are in heaven, hallowed be thy name. Lord Jesus, our Redeemer, you willingly gave yourself up to death so that all may be saved and pass from death to life. We humbly ask you to comfort your servants in their grief and to receive Jacques into the arms of your mercy. You alone are the Holy One. You are mercy itself. By dying, you unlock the gates of heaven for those who believe in you. Forgive his sins and grant him a place of happiness, light and peace in the kingdom of your glory forever and ever. Blessed are those who have died in the Lord. Let them rest from their labors, for their good deeds go with them. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let the perpetual light shine upon him. May he rest in peace. May his soul and the souls of all the faithful departed, to the mercy of God, rest in peace. You may be seated, and at this time, friends or family members who wish to say a few words of remembrance, you may come forward now. N'importe qui veut venir écouler pour parler de Frénon Jacques, c'est moment ça écouler. The video he's going to play is from Jaco's cousin from Haiti. She couldn't make it, but she did a pre-recorded video for today. Her name is Milta, and is this his first cousin? Mesdames, messieurs, il y a de cela quelques jours que je suis plongée dans une tristesse après avoir appris cette désastreuse nouvelle qu'est le départ pour l'au-delà de mon cher cousin Jacques Francoeur. Laissez-moi vous le présenter. Jacques Francoeur, né le 16 juillet 1943 à Jacmel, est décédé le 19 février 2024 aux États-Unis. Fils de feu, Madame Emmanuela Francoeur Dumel a fait ses brillantes études primaires à Jacmel, entamé les secondaires à Port-au-Prince, pour poursuivre avec la comptabilité et l'anglais. Après, il s'est rendu aux États-Unis où il a toujours vécu. Jacques a eu une fille, Daina, et deux autres adoptions, Dimitri et Nadège, qu'il chérissait beaucoup. Jacques, comme nous nous plaisions tous, à le surnommer dans la famille et entre les amis, a été un modèle
de simplicité, de sincérité, de dévouement et d'amour. Son attachement ainsi que sa compréhension vis-à-vis de ses tantes et ses oncles qui vivaient à Jacmel était particulier. Toujours disponible et accueillant, toujours prêt à aider et servir, il était le chouchou de la famille. Et, rassurez-vous, éminente assemblée, si notre affection pouvait retarder son départ, il serait encore là avec nous. Cela remonte à plus d'une décennie que Jaco était très malade, il n'y avait plus d'espoir. Cependant, sa foi en Dieu et ses idées positives lui ont permis de surprendre le groupe médical qui prenait soin de lui. Dieu lui avait donné une autre chance pour continuer à chérir ses proches. Malheureusement, ce 19 février 2024, il a succombé. Dieu a donné, Dieu a repris. Que sa sainte volonté soit faite. Mon cher cousin, pour nous avoir toujours gâtés dans la vie, tu resteras inoubliable. Une porte s'est fermée sur toi sur la terre pour s'ouvrir sur toi aussi. Jaco, en mon nom personnel et en celui de tes enfants, tes parents qui t'ont plus qu'aimé, nous remercions tous ceux qui sont venus te rendre un dernier hommage. Nous te disons au revoir. Que la terre retourne à la terre. Ton grand cœur restera toujours vivant à notre esprit. Adieu. Ladies and gentlemen, a few days ago, I plunged into deep sadness after having learned the disastrous news of my dear cousin, Jacques Francoeur. Let me introduce him to you. Jacques Francoeur was born the 16th of July in 1943 in Jacmel and died February 19th, 2024 in the United States. Son of the late Madame Emmanuela Francoeur Dumel, he did his primary studies in Jacmel and his secondary schooling in Port-au-Prince. He studied accounting and English and later went to the United States, where he has since always lived. Jacques had a daughter named Dinah and two other adoptions, Dimitri and Nadege, whom he cherished very much. Jaco, as we liked to call him in the family and among friends, has been a model of simplicity, of sincerity, dedication, and love. His attachment, as well as his understanding towards his uncles and aunts who lived in Jacmel, was particularly unique, always available and welcoming, always ready to help and serve. He was the darling of the family. And rest assured, eminent assembly, if our affection could have delayed his departure, he would still be here with us. It's been more than a decade since Jaco became very sick. There was no hope. However, his faith in God and his positive thinking allowed him to surprise the medical team taking care of him at the time. God gave him another chance. Unfortunately, this February 19th, he succumbed.
God gave, God took back, that his holy will be done. My dear cousin, for having always spoiled us in life, you will remain unforgettable. A door is closed for you on earth so that a great big one will open for you in heaven. Jaco, in my personal name and that of your children, your parents who loved you, I thank everyone who came to pay you a last tribute. We say goodbye to you. Let the earth return to earth. Your big heart will always remain alive in our hearts, in our spirit. Farewell, Jack. Hi, everybody. Thank you for coming. I'd like to share. A few memories that stand out in my mind. When they say you're a daddy's girl, I said that's a lie because I'm a mommy and daddy's girl. But since we're here to talk about daddy, or Pop Dukes is what I sometimes call him, then I'll share some precious moments with you. I remember always being with him, going out, thank you, and putting me behind the wheel. I guess that's why I'm such a good race car driver, as my sister would call me. He used to take me all over the place. So I had a sense of direction, and my memory was phenomenal. But this memory and sense of direction was not to my dad's advantage. Because I turned out to be a snitch. Let me tell you why. One day he brought me to this lady's house and I really don't remember or know who she was. Anyways, my mom and I ran errands and I happened to be, thank you. And I happened to be in the same area. So I pointed out to the house and I said, Mom, Daddy took me to this woman's house and... And she lives right there. So you know what happened after that. I don't even have to go into it. Valentine's Day was always special. We used to always get cards and chocolates and stuff. And he used to always make me give it to our mom. She always smiled so much. So I thought she was smiling because I'm the one, you know, who was handing her the chocolates and the card, but I was broke, so I was like, it can't be me. She must be happy because of dad. We traveled a lot, Haiti, Bahamas, Mexico, Panama, Cancun. We were well traveled, but once we got to Cancun, that was our destination on a yearly basis for vacation. So those are the, you know, good memories. In addition to that, Daddy later developed dementia. And at this point, you know, you have to roll with the punches. One day I was his sister. One day I was his mom. But one thing he did remember was, definitely remember, was my name. Because one of his aides, Rose, was on the phone one day. I was talking about someone named Diana. So he stopped her and said, no, my daughter's name is Dinah, not Diana. But she had to let him know that, you know, I'm not talking about your daughter. I'm talking about someone else. So that made me know that he always had my back, regardless of dementia or not. Another precious moment was him telling the aide, one day I went to work and he's like, no, my daughter's here. And the aide was like, no, she's not. She went to work. So he's like, no, my daughter never leaves the house without giving me a kiss and saying,
you know, goodbye. So Rose had to make sure she called me to let him know that I was at work to confirm, because he wasn't having it. He's like, no, my daughter does not leave the house without doing those two things. So, now you see that, you know, with all these pictures, you know, my dad was a handsome man, therefore he was a ladies' man. And that continued throughout the dementia stage, which is weird because I'm like, I thought, you know, you forget certain things, but I guess that part doesn't disappear. He flirted, grabbed booties, had many girlfriends. He wouldn't jump in the shower unless the aide was like, I'm going to take a shower with you. He refused to go to bed unless the aide was like, I'm going to go, you know, I'm going to lay down next to you. So I had to tell him, I said, Daddy, I want the aides to come back. So please, you know, behave yourself, please. But one thing he did remember was to tell all his girlfriends he's not spending any money. So throughout this journey, I mean, it's not just this journey, but it's a combination of a lot of things. I've learned a couple of things. Parents, don't save for your funeral. Okay. Also, letters of testamentary, letters of administration, powers of attorney are out the window. Put everything in a trust for your kids. Yes, put it in a trust. That trumps everything. And last but not least, if you want me to be responsible for your funeral, just know you're going to be cremated because it's cheaper. Okay? So I'm just letting you know, if you entrust me with your funeral, you're going to be cremated. Okay.